C'est une femme bédouine, une jeune femme, amoureuse de Jésus, quoi. Hein, musulmane, elle n'a jamais nié sa foi musulmane. Mais elle était profondément amoureuse de Jésus. Donc, c'est fréquent, hein, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Hein. Et je connais aussi des chrétiens très respectueux, je dirais même dans une attitude de dévotion vers le prophète de l'islam, Mohammed. Et donc, cette femme était amoureuse de Jésus, elle voulait être proche, être en communion avec lui. Elle amène sa maman, d'ailleurs, même sa maman et sa grand-mère, toute là. Donc, toute là. Elle amène à visiter les monastères. Sa grand-mère, qui se tenait debout par hasard, une vieille femme, et les amène dans une soirée d'hiver jusqu'au monastère. C'était très touchant, ce pèlerinage de trois générations de femmes. Et elle participe à la messe, et quand le moment de la communion vient, elle me regarde et elle me demande est-ce que je peux faire la communion. Pour le droit canon, elle ne doit pas faire la communion, elle n'est pas baptisée. C'est une musulmane, elle doit rester dans sa religion. Vous voyez, la communion, c'est vraiment l'appartenance dogmatique à l'Église, quoi. C'est l'identité dans sa plénitude. C'est comme la célébration de la foi musulmane dans la prière cultuelle musulmane commune, dans laquelle il y a la déclaration publique de la foi musulmane. Donc, c'est les appartenances dans leur exclusivité aussi. Hein. Bien que la communion dit la communion, c'est le mot même qui le dit. Ça devrait être une exclusion pour célébrer l'inclusion. Et je la regarde et je vois qu'elle est en larmes, mais pas en larmes, se peut dire. Elle était dans une deluge de larmes et qui lui avait même mouillé son corset. Hein. Je lui dis, mais qui suis-je pour t'interdire? Tu es baptisé dans tes larmes, dans ton désir. Approche-toi.